admettons, naviguer au pif, quel que soit notre genre ou notre espèce. On est en train de cuire tout vif, et ça chauffe un max pour nos fesses. Arrêtons de naviguer au pif, car la réponse est juste là. C'est le courant alternatif, ça s'appelle Al-Tanatiba. Au-delà de tout ça, moi j'ai vraiment ressenti ça, on a créé du lien, quoi. On a créé du lien entre les gens, des milieux différents, des personnes pas du tout sensibilisées, des militants. C'est vraiment le mot que vous retiendrez, c'est le lien qu'a créé chaque événement. Merci Hugo et merci à tous les bénévoles qui ont été présents cette journée dimanche 27 septembre, et on donne rendez-vous à tous les Nantais l'année prochaine. Normalement, il doit y avoir un point info, mais qui est juste à l'entrée de la rue pour les 50 otages. Il y a un transport point info, je pense que là, il est bénévole dans la brigade volante à Alternativa. Waouh! Et comment t'as connu Alternativa? Bah, en fait, c'est par le réseau, par les copains dans les associations qui m'ont parlé d'Alternativa. Les associations? C'est quoi ton association préférée? Il y en a beaucoup que j'aime bien. Bah, y a qui travaille le plus? Il y en a trois. Je suis bénévole. Il y a Ping, il y a Trifouille et il y a Robin Desbrouilles. Alors, Ping, qu'est-ce que ça fait? Alors Ping, c'est un Fab Lab, donc du coup il y a des imprimantes 3D où on peut imprimer ce qu'on veut, ce qu'on a envie de créer, on l'imprime avec des imprimantes 3D. Trifouille, c'est une association de bricolage qui est basée autour de l'échange de savoir-faire. On fait de la palette, on fait de la soude en métal, de la couture, plein de choses. Et après, Robin Desbrouilles, c'est une plateforme web d'échange de savoir-faire. On publie des petites astuces, par exemple, comment changer la pâte thermique sur un processeur. Merci beaucoup. C'était excellent. Il a mangé déjà. Merci. Ben, évidemment, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire, évidemment. Oh, vous étiez combien à préparer tout ça? On était donc deux responsables, et puis on a eu des gentils et beaux bénévoles qui sont venus rajouter pour faire des petites mains, tailler, couper, râper, danser, chanter, faire l'amour, etc. Non, pas ça. Bref, c'était sympathique, du travail, mais... Du travail, du vrai challenge, voilà. Et je suis très très contente parce qu'il y a des super retours. Et moi, mon obsession, c'est de voir tous ces gens qui prennent un peu de moi, là, qui me mangent un peu, finalement. Et donc, non, c'était chouette. C'était chouette parce qu'on a réussi à faire quand même un buffet en studio, évidemment. Pas mal de produits, principalement issus du glanage. Et puis faire des choses un petit peu originales quand même. Allez, mettez-moi des petits mots sur vos expériences à Alternativa, sur votre état d'esprit. Un mot doux, un gros mot, un petit mot. C'est quoi un mot d'amour? C'est quoi en fait votre stand là, en fait? Je suis pas un stand, moi, je suis une crieuse. Une crieuse, ah oui. Crieuse de rue. Ah, tu veux crier quelque chose? Okay. Entendre crier quelque chose. En fait, tu écris et moi je crie. Ah ok. Je suis désolée. Hein. Tu peux vous mettre un poème? Ah ouais, voilà. Carrément. Et donc de la coordination et de l'animation des animations cuisine, donc avec le goût des autres, avec le cuisinier Gilles Davo. Les gars, tu connais pas.